C'est Mahutimax et je vous fais cette vidéo tuto sur qu'est-ce que Steam. Alors, vous allez vous dire, ouah, mais qu'est-ce que Steam? Tout le monde sait ce que c'est Steam. Mais non, parce que figurez-vous que j'ai fait un espèce de mini sondage dans mon lycée, donc dans ma classe. À peu près 80% des personnes savent ce que c'est, mais il y en a quand même qui ne savent pas. Donc j'imagine que comme j'ai une classe de geeks, ça doit faire 50% des joueurs normaux. Qu'est-ce que Steam? Pour certaines personnes, Steam, c'est juste le truc pour jouer à... Je me suis fail parce que je voulais enchaîner. Donc à Counter-Strike. Oui, parce que Steam, à la base, c'était très réputé parce que c'était parce que c'était eux qui avaient développé Counter-Strike. D'ailleurs, il y en a un nouveau qui est sorti, c'est Counter-Strike Global Offensive, mais qui est aussi sorti sur Xbox. Et donc, cette fois-ci, pour cette vidéo, donc je vais vous expliquer quel est l'intérêt de Steam, pourquoi c'est pratique et pourquoi c'est mieux que d'acheter en boîte. Voilà. Donc déjà, Steam, pour savoir ce que c'est, Steam, en fait, c'est un magasin, donc c'est une application que vous téléchargez, qui prend rien du tout en place. Bon, après les jeux, c'est sûr que ça prend plus de temps, qui prend rien du tout en place. Donc là, vous voyez, vous avez le magasin Steam. Il y a vraiment 80% des jeux qui existent qui sont sur Steam. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est vraiment bon. Je veux dire, regardez, je vais vous montrer. Call of Duty. Vous avez Black Ops 2, vous avez le Season Pass, vous avez le Black Ops 2. Season Pass, je sais même plus ce que c'est, mais il est moins cher en tout cas. Donc même, vous voyez, les éditions limitées sont moins chères, c'est n'importe quoi. Donc voilà, vous avez tous les Call of Duty. Après, vous tapez hein, Call of Duty, vous les avez tous, vous avez une grande liste. Voilà, donc là, vous avez tous les jeux. Mais Steam, c'est pas que ça, c'est aussi un moyen de se faire plaisir en achetant, enfin, vraiment en dépensant qu'un petit peu. Regardez, vous avez des jeux à moins de 10 euros, des jeux à moins de 5 euros. Vous cliquez, jeux à moins de 5 euros. Vous allez avoir les promos, tout ce qui est intéressant, quoi, je veux dire. Là, vous avez Isaac, vous avez Counter-Strike qui a vachement baissé, qui a moins 75%, ça, je vous expliquerai aussi ce que c'est après. Même si je pense que vous pensez que ce sont des promos, mais non, c'est différent. Aussi, Steam, ça a des prix qui concurrencent tout le monde. Qu'est-ce que je cherchais, là? Assassin, donc voilà. Assassin's Creed 3, 49 euros. Alors, ça, franchement, c'est vraiment bien. Hein. Enfin, franchement, il est vraiment pas cher. Et quand vous regardez les anciens, surtout les anciens, c'est vraiment pas cher. Assassin's Creed Brotherhood, 19 euros. Le 2, pareil, 19 euros. Le Révélation, 39 parce qu'il est un peu plus récent. Et le 3, 49. 49, c'est vraiment pas cher. Je l'ai payé 59 il y a quelques jours. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment pas cher. The Witcher 2 est sorti cette année. Mais rendez-vous compte, hein. Witcher 2, il est sorti cette année. Ils l'ont baissé à 7,49€. C'est vraiment des prix qui défient toute concurrence. Parce que là, déjà, il y a le prix de base qui défie toute la concurrence, c'est 29€. Déjà, c'est déjà exceptionnel. Mais en plus, il y a moins 75% en plus. Donc, laissez tomber. Les jeux sont prioritairement sur Windows et Mac. Donc, ça veut dire que si vous avez un Windows, vous pouvez jouer sur votre Mac. Tandis que si vous achetez un jeu, je ne sais pas si vous achetez en magasin, Batman Arkham City. Vous n'allez pas pouvoir jouer sur votre Mac. Là, si vous tapez Batman, vous allez chercher, vous allez trouver. Batman Arkham City, 7 euros. Non, c'est sûrement pas celui-là. La Batman Arkham City, 4,49 euros. Oui, je sais. C'est vraiment pas cher. Franchement. Ah non, 18. Ça, c'était. Ah oui, c'était le skin pack. Ouais, bon, ça reste pas cher, hein. 18,99 € pour un Arkham City, c'est vraiment pas cher. Donc vous avez ça. Là vous voyez c'est que pour Windows. Bon, on peut comprendre, Arkham City c'est un game for Windows. Mais cela dit, quand vous cherchez, vous pouvez chercher en magasin. Certains jeux que vous trouvez en magasin, vous pouvez les retrouver ici pour Mac. Donc ceux qui ont des Mac, Steam c'est vraiment la seule opportunité de pouvoir jouer. C'est le seul moyen d'avoir des jeux Mac pour Steam. Ou à moins d'aller dans des magasins de jeux vidéo spécialisés, je vois même pas comment. Ou alors que derrière la boîte. Parce qu'en ce moment, il y a de plus en plus de games for Windows et de Blizzard, tout ça qui ne fonctionne pas sur Mac. Et ça, c'est bien dommage. Le défaut peut-être de Steam. Enfin, je vais. Non, je vais y revenir après. Je vais y revenir après. Je vais encore vous montrer qu'est-ce qui est bien avec Steam. Les soldes Steam.
Donc, c'est-à-dire que vous avez les soldes Steam d'automne, d'hiver, de printemps, d'été. Les soldes d'été, c'est les meilleurs, hein, franchement, c'est vraiment. Enfin, quoique, les soldes d'hiver, comme vous avez les dernières nouveautés, ben, les dernières nouveautés, elles sont vachement. Enfin, voilà, c'est vachement bien. Donc là, vous pouvez voir Call of Duty Modern Warfare 3. Moi, je suis allé il y a 2 jours en magasin. Il coûtait encore 59 euros en magasin. Il vous coûte 29 ici. Mais c'est vraiment incroyable le prix que ça coûte. Vous avez Counter-Strike Global Offensive à 6,99 au lieu de 13. Donc franchement, les soldes Steam d'automne, ça c'est vraiment génial. Vous avez toutes les soldes. Chaque jour, il y a un jeu en solde. Un nouveau jeu en solde chaque jour. Ça, c'est génial aussi. Et ça, là, ça vous dit vraiment. En priorité, pourquoi, sur quoi vous pouvez jouer? Bah là, vous voyez, vous pouvez jouer sur Windows et Mac, donc c'est du Steam Play, et jouer au jeu comme sur Mac comme sur PC. Ça, c'est Steam Play. Voilà. C'est vraiment génial. Et regardez, quand on va sur un jeu qu'on veut l'acheter, en plus, vous achetez le jeu en 2 secondes, vous l'avez en 2 secondes. Vous avez juste à le télécharger, c'est tout. Et ça prend pas plus de place que si vous l'avez sur CD, hein, faut pas croire. Vous possédez déjà Castle Crash? Ah oui, bah oui. Vous pouvez aussi télécharger la démo, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous faire chier comme ça. Franchement, vous téléchargez la démo, si le jeu vous plaît, vous le prenez, si vous ne voulez pas, vous le prenez pas. Castle Crasher. Donc là, vous pouvez l'acheter, ou alors vous pouvez l'acheter en 4 packs. Et là, ça vous coûte vraiment que dalle. Autre chose, quand vous achetez votre 4 packs, vous avez votre jeu, si je le trouve. Castle Crasher. Là, vous avez votre jeu. Mais pour offrir le jeu des autres. Enfin, comment expliquer? J'ai envie de dire. Pour offrir le jeu. J'arrive pas à le dire. Bref. En tout cas, là, vous cliquez sur jeu. Gérer les cadeaux et invitations. Là, vous avez tous vos gifts. C'est-à-dire que moi j'ai 3 Castle Crashers que je peux offrir. Donc ça se passe en vignettes. Ce sont les petites vignettes que vous pouvez les offrir. Ce sont des coupons, entre autres. Donc ça, c'est les gifts. Donc là, vous pouvez le voir au magasin. Envoyer le cadeau donc avec vos amis. Si par exemple j'ai envie de l'envoyer à Blackfield, c'est tout simple. Je fais envoyer le cadeau. Et je clique. Bon, ça prend un peu de temps. Envoyez le destinataire par email. Envoyez mon cadeau directement via Steam ou par email. Et là, vous choisissez l'ami que vous voulez. Et puis après, voilà. Donc ça, c'est tout bête. C'est vraiment. Ça, franchement, c'est vraiment pas très. Voilà. Ensuite. Quand maintenant, regardez. Là, je suis sur Castle Crasher. Vous pouvez acheter tous les DLC. C'est-à-dire que les DLC, si vous voulez. Enfin, je vais vous montrer. Ça met toujours un petit peu de temps à charger les pages, c'est plutôt bizarre. Et des fois, quand vous êtes bloqué sur une page comme ça, c'est juste qu'il faut recliquer sur magasin. Et voilà, donc là, ça vous rend remet sur magasin. Regardez, Castle Crasher. Voilà, vous cliquez dessus. Ben là, vous avez tout de suite vos DLC qui se mettent automatiquement au jeu. C'est-à-dire que les DLC, vous n'avez pas besoin de les télécharger, les craquer, je sais pas comment vous faites. Bref, vous avez juste. Bah vous avez juste à cliquer dessus. Si vous voulez en prendre qu'un, parce que moi le pink ça m'intéresse pas. Moi par exemple si je veux le noir, du coup dans le jeu, au lieu d'avoir les 4 couleurs de base que je peux prendre, je peux prendre le mec en noir avec les espèces de cornes. Voilà, c'est un DLC comme un autre, hein, voilà. Contenu téléchargeable, vous avez juste à ajouter au panier. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait. Ajouter au panier. Donc là, vous pouvez soit l'acheter pour moi ou acheter pour offrir. Bah là, dans le cas, bah, dans ce cas-là, j'achète pour moi 99 centimes. Là, vous choisissez votre moyen de paiement. Vous pouvez enregistrer vos moyens de paiement. Bah, d'ailleurs, ça, je l'effacerai là. Tout ce qu'il faut pas que vous voyez. Donc voilà. Donc vous verrez. Voilà, vous ne verrez rien, mais en tout cas, tout est enregistré, le moyen de paiement, machin et tout. Vous faites acheter traitement en cours. Vous acceptez les termes de l'accord. Et voilà, vous allez voir. Et donc là, vous avez une espèce de petit bug de la page. Mais ça, c'est normal, ça le fait tout le temps. Ça termine la transaction. Et voilà.
installer les jeux. Je sais pas si ça s'installe vraiment ou si c'est tout de suite dedans. Je crois que les DLC sont déjà installés dans le jeu, mais il faut juste les activer. Ça, c'est vraiment, mais vraiment génial. Donc voilà, ça c'est vachement bien. Vous avez à chaque fois que vous installez un jeu, que vous achetez un jeu, une confirmation par email, donc qui vous dit bien tout ce que vous avez fait. Castle Crasher. Donc là, il me dit tout sur mon Castle Crasher. Comment je sais si j'ai un DLC ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, normalement, j'ai le DLC. Une fois que vous l'avez, hein, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est tout con. Castle Crasher. Donc vraiment, l'avantage, c'est que ça vous incite peut-être un petit peu à acheter, oui. Mais par contre, enfin, ça vous incite à acheter. Donc ça vous incite à aider les développeurs plutôt que de craquer bêtement les jeux tout le temps. C'est bien aussi d'aider les éditeurs. Voilà. Vous pouvez choisir aussi par ce que vous voulez. Voilà. Les démos aussi. Donc, c'est vraiment très facile à prendre en main. Vous avez votre liste d'amis quand vous êtes en jeu, vous appuyez sur Maj Tab ou Alt Tab, je sais plus, je crois que c'est Maj Tab. Et donc là, vous avez tous vos amis que vous pouvez parler avec. Vous avez la communauté, votre profil, vos badges et tout. Rien de tellement surprenant. Donc, qu'est-ce que je voulais encore parler? Oui, donc les soldes, les jeux à moins de 5 euros, donc tout ça, bah, c'est pareil, vous prenez ce que vous voulez. Vous avez les nouveautés, là vous avez les sorties récentes, bah, les nouveautés quoi. Donc là vous voyez, bon, ça reste un prix haut, mais bon, c'est Borderlands 2, quoi. Enfin, voilà. En plus, ça c'est le DLC, il y a le DLC qui est disponible. Faut voir. Ouais, faut que vous regardiez. En tout cas, c'est vraiment génial. Vous avez le Steam Greenlight. Donc ça, je sais pas du tout ce que c'est. Mais je crois que c'est des jeux pas chers et tout. C'est plutôt pas mal. Vous avez la Steam Mobile Apps, donc vous pouvez le mettre sur votre téléphone. C'est vraiment bien. Démo, 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 démo. Donc vous avez vos DLC, machin et tout. C'est vraiment bien. Ça s'installe en 2-2, franchement. Ça s'installe en quelques secondes. Ça dépend du jeu, mais ça s'installe très rapidement. De plus, ce qui est vraiment pratique, c'est que vous pouvez désinstaller le jeu en 2-2. Si vous n'aimez pas un jeu, supprimer le contenu local. Donc le contenu local, c'est ce que vous avez dans votre ordinateur. Vous avez juste à supprimer et voilà. Donc 100 minutes de jeu. Waouh, je savais pas que j'avais joué autant à ce 2H. Je savais même pas. En tout cas, c'est, vous avez pas mal de jeux gratuits. Ça, c'est vraiment bien aussi. Jeux gratuits. Et là, ça vous donne tout plein de jeux gratos. Voilà. Steam, pareil, vous pouvez jouer à DayZ, à Arma 2 avec. C'est pas mal. DLC le plus vendu. Donc là, vous avez tous les DLC et tout. Ça vous incite pas mal à acheter les DLC aussi parce que bon, c'est vite fait. Vous cliquez, c'est bon, ça y est. Vous avez votre DLC, ça coûte rien, c'est bien. Voilà, c'est pas mal les DLC, c'est bien. Là, des free to play, vous voyez, free to play. C'est vraiment bien. Voilà, donc ça c'était un petit tuto. Enfin, c'est pas un tuto, c'est juste une explication pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était Steam. Franchement, honte à vous, hein, parce que franchement, c'est vraiment la meilleure plateforme de téléchargement de jeux. De plus, ah oui, autre chose. Les jeux Steam, vous pouvez télécharger sans les acheter, hein. Ça c'est bien aussi. Ensuite. Mais je voulais dire quelque chose, je viens de le réoublier. Oui, donc vous ne pouvez pas revendre vos jeux Steam. Ça, on me l'a reproché. Les gens préfèrent acheter les jeux sur Xbox plutôt que sur Steam, tout simplement parce que ils trouvent que sur Steam, on peut pas les revendre et donc c'est peut-être une perte d'argent. Bah non, pas forcément. Vous ne pouvez pas revendre votre jeu. Par contre, vous pouvez revendre votre compte Steam. Si vous faites un compte Steam complètement n'importe nawak, vous pouvez le revendre avec tous les jeux qu'il y a dessus et ça peut vous rapporter gros. Et puis même moi je dis ça sert à rien de vendre un compte Steam, vous achetez vos jeux, vous assumez, un jeu c'est un jeu, ça se garde. Et pour moi c'est comme ça. Si vous avez tendance à revendre vos jeux, c'est pas bien, faut garder vos jeux. Voilà, de toute façon vous perdez rien, c'est avec la carte CB, j'ai envie de dire, vous perdez que dalle. Enfin, si, mais bon voilà, hein, vous comprendrez hein, comment j'ai fait. Ben moi je vous dis à la prochaine, c'était Mamechimax les amis, à plus.